Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai obtenu mon label profil international suite à mon année à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous en dire plus sur ce qu'il faut faire avant, pendant et après la mobilité pour pouvoir obtenir le label. Donc avant, il faudra faire deux choses, ça va être de participer au module qui s'appelle « Penser et vivre l'interculturalité » donc du département de formation humaine, qui est très intéressant, et puis voilà, vous le mettez au semestre que vous voulez tant que c'est avant la mobilité. Ensuite, il faudra aussi participer à un atelier qui va vous permettre d'en savoir plus sur le label, sur les compétences, etc., etc. Pendant la mobilité, il faudra faire deux choses aussi. Donc la première, ça va être de participer à un événement du pays. Donc ça pourra être par exemple la fête nationale, Noël, Thanksgiving si vous partez aux États-Unis. Vraiment, c'est vous qui voyez en fonction de votre expérience. Et puis aussi, il faudra participer à un événement convivial. Donc encore une fois, ça sera en fonction de vous, votre expérience et de ce que vous êtes amené à vivre. Et enfin, donc du coup, à votre retour de la mobilité, vous devez faire encore une fois deux choses. Donc la première, ça va être de participer une nouvelle fois à un atelier qui va cette fois vous permettre d'en savoir plus sur le portfolio. Donc comment le créer, etc. Ça peut être par exemple un journal intime que vous avez créé au cours de votre mobilité. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être beaucoup de choses. Encore une fois, ce sera à vous de voir. Et puis ensuite, vous arrivez au moment où il faudra effectuer la soutenance devant trois personnes. Donc il y aura deux enseignants et puis une personne, un professionnel des relations internationales. Voilà, donc je vous souhaite une bonne mobilité puis de la réussite.